Je m'appelle Claire Garnier, j'ai 40 ans. Je suis infirmière libérale depuis 15 ans. Et je souhaite me réorienter professionnellement et faire du coaching. La performance, accompagner les sportifs. J'ai fait de l'hypnose, j'ai travaillé en hypnose, en PNL, etc. Et je cherchais, il me manquait encore de... Il me fallait une technique qui fasse péter les verrous. Ben, j'ai récupéré énormément de confiance en moi. J'ai franchi des montagnes, j'ai changé plein de choses dans ma vie. Je me suis réalignée avec moi-même et ce que je voulais. Et tout ça en amenant mes enfants et en allant vers du positif. J'ai beaucoup changé, ouais. Beaucoup de confiance en moi. Je suis épanouie, les obstacles, je fais du saut de haie maintenant. Et j'ai toutes les ressources en moi et je sais que je peux... Toutes les possibilités sont là, il suffit juste que j'en ai envie. J'ai ouvert mon cabinet en hypnose et PNL tout en étant infirmière libérale. Et quand j'ai commencé la dépôt et tout ça, j'ai vu qu'en fait, je pouvais utiliser que cet outil en fait. Que c'était celui-là le plus puissant et que ouais, c'était avec ça que je voulais bosser. Le financier, mais ça après j'ai trouvé et j'ai... On m'a dit, hein, fais attention, t'es sûre, une autre formation et tout. Je savais en fait, donc j'ai pas écouté tout ça. Et j'ai trouvé les moyens de financer la formation et c'était parti. Que ça permet de libérer les blocages, que tu te décharges de ton passé, que tu lâches le sac à dos, tout ce qui était plus utile en fait, tu lâches. C'est une méthode, une façon de penser, un mécanisme que tu mets en place au quotidien dans ta vie en fait. C'est du coup tu prends des outils de performance qui sont de haute technicité et avec lesquels tu peux faire ce que tu as envie quoi. Donc faut pas se poser de questions, faut foncer je pense. Que moi ça m'aide pour mes enfants aussi. Parce que du coup tu leur apprends un autre mécanisme aussi, tu leur fais voir les choses différemment sous un autre angle. Et du coup, c'est cool en tant que parent, c'est quand même leur donner des beaux outils pour grandir. Et qu'on m'aurait donné ces outils-là quand j'étais plus jeune, j'aurais pas eu le même parcours. Mais c'est comme ça que ça devait se passer, c'est très bien comme ça.